Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounaise. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Trop. La vérité sur la mort de celui qui a giflé Paul Biya. Voici Eyiso Nwodo Victor, l'homme qui a infligé Paul Biya en 1975, on l'a connu comme ministre dans le gouvernement de Paul Biya en 1975, puis son adversaire politique après la démission du président Amadou Ahidjo. Mais ce qu'on connaît moins de lui, c'est son fait d'armes qui aura, sans doute, le plus marqué le président Biya. Lui, c'est Eyiso Nwodo Victor, l'homme qui a infligé une violente gifle à Paul Biya en 1975, dans le bureau du président Ahidjo. À l'époque, Eyiso Nwodo Victor était ministre de l'administration territoriale et Paul Biya, premier ministre. L'hostilité entre les deux hommes était apparente, selon plusieurs proches qui indiquent avoir été témoin des nombreux prises de tête entre le premier ministre et son ministre de l'administration territoriale. Cette antipathie était telle que Eyiso Nwodo n'avait pas hésité en 1982 à constituer une délégation dans le but de convaincre le président Ahidjo de renoncer à sa démission et de confier le pouvoir à Paul Biya. Farouche adversaire au régime de Biya, l'ancien ministre est décédé d'un empoisonnement quelques mois avant la tenue de l'élection présidentielle de 1997 à laquelle il s'était déclaré candidat. Son parcours, fils de Mvondo Angelbert et de Mvondo Marie, Victor Eyiso Nwodo est né le 15 août 1933 à Nkolafamba. Il obtient le SEP Mbal Mayo en 1948. Puis en 1952, il obtient le BEPC et, en 1955, le baccalauréat au séminaire d'Akono. Grâce à une bourse d'études supérieures, il se rend en France en 1956, où il est admis au lycée Louis-le-Grand en vue de la préparation au concours d'entrée, en FOM, section magistrature. En 1960, il obtient la licence en droit à l'Université de Paris et le diplôme du Centre national français d'études judiciaires. Quant à sa vie professionnelle, il commence en 1955-1956 comme greffier contractuel au tribunal de première instance de Yaoundé. À son retour au Cameroun après ses études, il est intégré dans la magistrature en 1961. De juillet 1961 à décembre 1961, il sera substitut général près la cour d'appel de Yaoundé. De décembre 1961 à décembre 1963, il est procureur de la République près du tribunal de Douala. Puis dès le 14 octobre 1963, il est détaché au Tribunal international du travail à Genève, où il servira de 1963 à 1967 en qualité de fonctionnaire international de première catégorie. En juillet 1967, il rentre au Cameroun sur la démanche du gouvernement camerounais, et après l'accord du BID d'août 1967 à août 1968, il est SG au ministère du Travail et des Lois Sociales. Le 14 juin 1969, il devient SG adjoint à la présidence de la République fédérale du Cameroun, avec rang de ministre adjoint. Le 14 juillet 1969, il est nommé ministre chargé de mission à la présidence de la République fédérale, puis ministre de l'administration territoriale. Et du 30 juin 1975 au 18 juin 1983, il est ministre d'État chargé de l'administration territoriale. Le 14 septembre 1985, il est nommé PCA de la SNI. Il prend sa retraite le 1er septembre 1988. Sur le plan politique, Victor Eyiso Nwodo fut membre du comité central et du bureau politique de l'ONC, mars 1969 MBA RS 1985.